là on va chercher. Et c'est parti pour ce match explosif, flamboyant et surtout réaliste. Samedi dernier contre Simba de la Tanzanie, 5-0, l'Est Victoria Club se doit d'enchaîner avec un nouveau succès dans ce match de prestige contre les Immaculés du DCMP, toujours squatché à la troisième place de la compétition. Un challenge colossal, un derby qui nous promet de l'électricité dans l'air. De l'électricité, oui, hein, évidemment, avec ces deux équipes qui se présentent pour effectivement nous proposer un très bon spectacle. Junior Baumetto, l'ancien joueur de l'Est. Je rappelle très bien l'enjeu de ce match. C'est une question de prestige entre les deux équipes. Il y a faute. Faute, signale messieurs l'arbitre. Et le coup franc qui pourrait être tiré par Ngudi Kamakila. Allez, c'est lui qui va tirer ce coup franc. Et dans les voies des réparations, il y a but. Jean-Marc Mounele Mapoussou qui allume la première mèche sur la grosse opportunité. Et David Dalla, la deuxième seconde, il y a l'ouverture du score dans ce match. Jean-Marc Mounele Mapoussou, le goléador. Le goléador, en tout cas Jean-Marc Mapoussou Mounele. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on sent en lui la patte d'un attaquant né. C'est lui qui doit absolument marquer pour son club parce que regardez, il est où? Quand le ballon arrive, il est au second poteau, il est presque seul et il répond évidemment très très bien. Quand il y a une situation, on sent que le joueur a besoin de se retrouver au moment où on a besoin de lui. Donc Jean-Marc Mapoussou Mounele est encore. Il y a quand même une main. Ça ne sifflait pas forcément en première ligue. Et ça va repartir, mesdames, messieurs, à l'entrée de la Juve de réparation. Et ce joli travail réalisé par Ngudi Kama, Djuma Chabani Wadol. Et peut-être, il réussit à enrhumer Junior Baumetto. Le ballon donné, la deuxième réalisation. Kazadi Kassendou Zadio, c'est lui qui vient donner le deuxième but à l'Association Sportive Victoria Club. Voilà comment est-ce qu'on avait besoin de suivre un tel derby quinois. Il est très très allaitant. Voilà, c'est un derby qui est dans toute sa pureté. C'est un derby très beau. Il nous propose des très belles choses. Et d'ailleurs, quand vous regardez même le travail réalisé par Djuma Chabani Wadol, c'est un travail qui est dans toute sa pureté, incroyablement vrai, parce qu'il enrhume d'abord son vis-à-vis qui est tout simplement Junior Baumetto, du pied droit et du pied gauche, et puis le centre à venir, c'est tout simplement parfait parce qu'il y a une tête puissante, une tête rageuse de Kazadi Kassengou qui crucifie finalement son ancien club. Les enfants de la maison, les anciens joueurs du DCMP aujourd'hui viennent d'incendier la maison d'un club Motema Pembe. Ce sont eux, à savoir Makoussou, premier buteur, et Kazadi Kassendou Zadio, deuxième buteur. Et voilà, ils sont en train de faire du mal. C'est difficile pour l'instant, mais dans un match de football, tout peut se passer. Donc il va falloir encore attendre les minutes qui vont suivre pour voir la réaction du Daring Club Motema Pembe. Une réaction qui est Motema Pembe, le marqueur l'indique, le Vita Club est devant. La deuxième mi-temps sera extrêmement intéressante. David Dalla, on a suivi une club et les joueurs des Florent Idengue se sont visiblement bien réveillés et on est presque en train de passer à un jour sans dans les camps du Daring Club Motema Pembe. Kaimé détonné, la frappe de Kaimé qui va passer au-dessus Boutembo. Ce sera à partir des 13h30. Que des belles oppositions à vivre sur les télévisions partenaires. Et la frappe, quel joli but de Fabrice Ngomalama. Et voilà, le Daring Club Motema Pembe est complètement assommé dans ce match. Le derby 100% quinois. Sincèrement, je n'en reviens pas parce que voilà, le but arrive au moment où on s'y attend le moins. C'est un ballon qui traîne dans la surface des réparations. Et puis, il y a cette frappe magistrale, cette frappe très bien exécutée et puis fouettée de l'extérieur du pied par Fabrice Lomba-Ngoma. Sincèrement, c'est bien fait de la part de ce garçon. D'ailleurs, Fabrice Lomba-Ngoma, c'est l'une de force en présence. De match nul, ce qui est presque impossible pour le moment. Le Daring a contré pratiquement 31 points, mais là, on s'enchaîne petit à petit vers la défaite. Ce ballon donné, peut-être un petit but pour sauver l'honneur. Et ça y est, ce ballon, la frappe de Serbie Alongo. Et voilà, Toulengui qui était bien positionné, un bon capitaine. Il permet
au dernier club Motema Pembe d'inscrire ce tout petit but. Voilà un match qui a réussi à déchaîner les passions. Le football de Kinshasa, Makombo Ishiye-Rambo vient de mettre fin à cette partie, vient de mettre fin au calvaire des Immaculés du dernier club Motema Pembe. 3 pour l'association sportive Victoria Club.